Alors, l'adaptation en livre de la fameuse série qui vient de passer à la télé, hein, Apocalypse, la Première Guerre mondiale, de Daniel Costel et Isabelle Clarke. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu la série, je vous la conseille, elle vient de sortir en DVD. Et ça, c'est l'adaptation en livre donc, de la série, avec plein de photos inédites sur la Première Guerre mondiale, et mise en couleur, mise en image, en couleur. C'est vraiment la guerre vue au plus près, c'est super bien raconté, et c'est vraiment des documents totalement inédits. Ils ont été vraiment chercher ça dans toutes les archives de tous les pays européens qui étaient concernés par le conflit. C'est vraiment un, j'hésite pas à le dire, un monument. Hein. Donc ça, c'est l'adaptation en livre, donc effectivement, ça parle un peu moins les photos que ce qu'on peut voir à la télé, mais on reste scotché parce qu'on a l'impression que c'est des films et des photos qui datent d'hier dans la façon dont elles ont été retravaillées. Attention, quand je dis retravaillé, ça ne veut pas dire modifié, hein, ça veut dire remise un petit peu, réactualisé et puis modernisé pour que les jeunes à qui ça paraît déjà loin, la guerre de 14-18, et ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pour leur permettre de s'intéresser, d'essayer d'un peu comprendre le premier conflit mondial du monde et qui nous a amené au monde qu'on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un superbe bouquin. Apocalypse, la Première Guerre mondiale.